avons l'immense privilège de le recevoir ce soir. Il a été ambassadeur de France en Algérie à deux reprises, de 2008 à 2012 et de 2017 à 2020. Ces derniers mois, il s'est fait connaître en portant une résolution, celle de l'abrogation de l'accord franco-algérien de 1968, une résolution défendue et reprise par l'ensemble de la classe politique, allant d'Éric Ciotti à Marine Le Pen, en passant par Édouard Philippe, Nicolas Sarkozy et Manuel Valls. Nous avons aujourd'hui l'honneur de le présenter comme le président de notre comité stratégique. Je vous demande d'accueillir, comme il se doit, Xavier Driancourt. Bien, bonsoir à tous. Alors, je crains, après le débat extrêmement politique dont j'ai entendu quelques extraits là, d'être un peu plus terre à terre, un peu plus techno, mais je crois que c'est pour ça que Livre Noir a demandé que je vienne. Il se trouve qu'effectivement, j'ai été à deux reprises ambassadeur à Alger. J'ai fait tout le quinquennat de Nicolas Sarkozy, en gros, et puis les premières années du quinquennat Macron. Et donc, les sujets que traite un ambassadeur de France en Algérie, c'est d'une part les questions mémorielles, d'autre part les questions migratoires. Et donc, pendant 8 ans au total, je me suis occupé de ces questions d'immigration et de visa. Alors, je vais essayer de ramener peut-être le débat à quelques considérations un peu techniques, mais néanmoins très politiques. Alors, d'abord, un constat qui est que l'immigration, c'est essentiellement, bien évidemment, un phénomène européen et avant tout un phénomène français, parce qu'on ne parle jamais de l'immigration vers la Chine, de l'immigration vers les pays du Golfe, de l'immigration vers l'Afrique, et il y en a. Et j'entendais ce matin, dans un débat, Didier Lesky, qui est le directeur général de l'Office français d'immigration et d'intégration, qui lui-même donc parlait très, très librement. Il disait qu'il y a 7 millions d'étrangers en France et qu'il y en a chaque année donc 350 000 à 400 000 environ qui arrivent en France et qu'il répartit lui-même, Didier Lesky, entre 100 000 étudiants, 100 000 personnes au titre du regroupement familial, auquel, entre parenthèses, il faut ajouter ce que personne ne connaît en France, c'est la réunification familiale, qui est encore quelque chose de différent. Et puis 150 000 à 200 000 demandeurs d'asile, donc on arrive à un total de 350 à 400 000 étrangers qui entrent chaque année en France. Deuxième remarque, et je crois que c'est une banalité ou une évidence de le dire, et je l'ai vu de près à Alger, c'est que l'Europe, et particulièrement la France, est concernée parce que, effectivement, nous sommes très attractifs. Alors, on entend dire souvent chez les hommes politiques, non, c'est faux, la France n'est pas attractive, mais en réalité, nous sommes très attractifs, et Didier Lesky le disait lui-même, le reconnaissait ce matin, nous sommes attractifs pour plusieurs raisons. D'abord, évidemment, bon, tout le monde le sait, il y a une protection sociale qui est très élevée en Europe et très élevée particulièrement en France. Deuxièmement, il y a un certain nombre d'aides diverses qui en France sont supérieures à celles qui sont versées dans les autres États de l'Union européenne. Je vous renvoie aux études de la Fondapol qui a fait des comparaisons entre le Danemark, la Suède et la France. Troisième chose qu'il faut avoir en tête, et là c'est un peu le diplomate qui parle, c'est que les pays du nord de l'Europe aujourd'hui, Suède, Danemark, Allemagne, Suisse également, Finlande, se referment, durcissent leur réglementation en matière migratoire et de ce fait, il y a une sorte de détournement de trafic, si je puis dire, de l'immigration vers la France, dont on sait qu'elle est un pays attractif. Quatrième raison, c'est que l'Espagne et l'Italie ne jouent pas toujours le jeu, ça on le sait. Ils laissent passer un certain nombre de réfugiés, donc contrairement à ce que prévoit la Convention de Dublin. Enfin,
on paye d'une certaine façon, j'allais dire, le prix de notre histoire, c'est-à-dire le prix de la colonisation, parce que beaucoup de migrants sont francophones, donc d'anciennes colonies françaises. Et où viennent-ils en Europe? Ils ne restent pas en Espagne, ils ne restent pas en Italie, ils viennent en France. Et dernière raison de notre attractivité, c'est notre faiblesse, voire notre impuissance en matière d'exécution des OQTF. Et ça aussi, ça se sait, et donc nous sommes dans un environnement qui est extrêmement fragile. Troisième remarque, nous vivons aujourd'hui dans un environnement juridique et international qui est favorable à l'immigration. Au plan juridique, je vous renvoie aux excellents ouvrages de Jean-Éric Schöttl, qui est un éminent juriste et qui écrit régulièrement dans le Figaro, notamment, qui montre bien qu'il y a une concurrence de fait entre les différentes cours nationales, Conseil d'État, Cour de cassation, Conseil constitutionnel, et les cours européennes, CEDH, Cour de justice de l'Union européenne, et vous avez sans doute entendu parler de la décision prise avant-hier par la Cour de justice de l'Union européenne qui interdit à la France de renvoyer des migrants en Italie. Donc un contexte juridique qui est favorable à l'immigration et un contexte international également, parce que les textes qui régissent notre droit, qui sont la Convention de Genève sur l'asile, elle date de 1951, à une époque où les pays européens, après la Shoah, voulaient protéger les Juifs qui avaient fui l'Allemagne et où on voulait protéger les réfugiés qui fuyaient l'Europe de l'Est. Enfin, Schengen, le traité de Schengen, il date des années 80, à une époque où l'ambition des États européens, c'était le marché unique des services et la libre circulation des hommes. Aujourd'hui, il faut peut-être se poser la question de savoir si ces textes, notamment la Convention de Schengen, de Dublin, sont encore totalement d'actualité. Alors, à partir de là, que faire ? Que faire? Bon, j'entends les discours des uns et des autres, les discours politiques. Alors, moi, je dis qu'il y a deux écueils à éviter. D'abord, je pense qu'on ne peut pas se contenter, en tant que citoyen, nous ne pouvons pas nous contenter du discours de Mme van der Leyen qui dit « on va répartir les migrants sur les territoires entre les pays européens ». Ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter d'avoir une politique de répartition parce que ça veut dire que nous prenons acte de ce phénomène et que nous ne faisons rien pour le traiter. Et le deuxième écueil, c'est une loi sur l'immigration. Je pense qu'une loi sur l'immigration ne traitera que 5 à 10% des problèmes. Alors, je pense, là encore, en tant que technicien de la chose, je crois qu'il faut utiliser toutes les touches, toute la palette, tout l'arsenal dont nous disposons sur le plan effectivement législatif, sur le plan réglementaire, sur le plan national, sur le plan diplomatique, sur le plan social. Je donne quelques exemples. Sur le plan national, j'ai écrit il y a quelques semaines donc un article qui a fait pas mal de bruit sur la dénonciation par la France de l'accord franco-algérien de 1968. J'ai vu que toute la classe politique, en tout cas une bonne partie de la classe politique, d'Édouard Philippe à Éric Zemmour, en passant par Manuel Valls, Éric Ciotti, Jordan Bardella, etc., ont adhéré à cette proposition, et Nicolas Sarkozy également dans ses mémoires récemment. Et ça, on peut le faire seul, il n'y a pas de négociation européenne pour le faire. Des mesures, et si j'en juge par les réactions algériennes après la publication de cette note, je vois que j'ai tapé dans le mille. Des mesures sociales, concernant le logement, l'aide médicale d'État, les MNA, les mineurs non accompagnés, qui sont un peu les angles morts de la loi sur l'immigration et qui ne seront pas traités par cette loi parce que ça ne relève pas du domaine législatif. Donc des mesures d'ordre national, des mesures d'ordre social, des mesures d'ordre international, des négociations, des mesures de rétorsion à l'encontre d'un certain nombre de pays,
des mesures juridiques, parce que je vous disais tout à l'heure, notre droit est très favorable à l'immigration. Nous avons par exemple la compétence des deux ordres de juridiction, judiciaire et administrative, qui se font concurrence sur le terrain de l'exécution des OQTF. Et puis enfin, comme je le disais, il faut peut-être se poser la question de nos textes fondamentaux, Schengen, la Cour européenne des droits de l'homme, se poser la question de savoir si un jour il ne faudra pas les réformer et mettre ces choses-là sur la table, parce que le contexte politique, le contexte international a évolué. Donc voilà, je crois qu'il y a, un patchwork de mesures. Ce ne sera pas uniquement des mesures d'ordre législatif, des mesures d'ordre réglementaire, des mesures d'ordre social. C'est vraiment un patchwork de mesures. Il faut jouer sur l'ensemble de ces dispositifs. Et ce sera une tâche difficile, une tâche longue. Il ne faut pas se cacher cela. Mais il faut être constant dans notre politique, ce que nous n'avons pas toujours été ces dernières années. Voilà. Je vous remercie. Nous sommes ravis de le recevoir ce soir. Il est avocat et auteur du livre « La vérité sur le droit d'asile ». Paru cette année, il analyse avec acuité cette question méconnue, taboue et trop souvent accaparée par l'extrême gauche à des fins de récupération. Ce soir, il nous donne son expertise sur ce sujet. Je vous demande d'accueillir Philippe Fontana. Bonsoir, merci Livre Noir pour cette invitation, merci Louise pour cette présentation. Lampedusa, Lesbos, ces deux îles de la Méditerranée qui étaient plus connues pour la clarté de leurs eaux, sont dorénavant associées à l'arrivée massive de ce que les journalistes, les ONG, les commentateurs appellent des migrants. Terme absolument générique pour cacher la réalité qu'est la demande d'asile dévoyée aujourd'hui en Europe. Vous avez cité Peggy, je vais évoquer Albert Camus. Albert Camus disait que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Alors pourquoi cette demande d'asile ? On ne peut pas comprendre quand on voit ces dizaines de milliers de personnes qui arrivent à Lampedusa en quelques jours, on ne peut pas comprendre qu'ils soient immédiatement revenus dans leur pays si on n'accepte pas que l'Europe pousse la demande d'asile, même si elle est dévoyée. Toute personne qui rentre en Europe, même de façon irrégulière, à partir du moment où elle pose les pieds sur notre continent, a le droit de demander l'asile. Sa demande est instruite, elle va rester un certain nombre de mois où elle va être accueillie avec beaucoup de générosité. Ça, c'est la première des choses que j'aimerais vous faire partager ce soir dans ce débat. La deuxième des choses, c'est l'impuissance de l'État. Quand on parle d'immigration, on sait que l'État peut accueillir peu ou prou des étudiants, des travailleurs, des personnes qui demandent le regroupement familial. Et il y a des normes en fonction de là où vous habitez, des revenus dont vous disposez. En matière d'asile, il n'y a aucune norme, il n'y a pas de plafond, toute personne peut le demander. C'est ces deux préoccupations, c'est ces deux lignes directrices dont je voudrais vous entretenir ce soir. Alors avant, je voudrais vous rappeler quelques chiffres. En 2022, l'Europe a accueilli 1 million de demandeurs d'asile. 138 000 venaient de Syrie, avec un taux d'obtention de l'asile de 93%. 132 000 venaient d'Afghanistan.
et 58 000 venaient de Turquie. Alors, je pourrais vous faire un cours sur le droit d'asile. Ce n'est pas de mon propos ce soir. Toute personne sensée n'a pas besoin de connaître les termes de la Convention de Genève de 1951 qui donne comme définition demandeur d'asile celui qui est persécuté en raison de l'appartenance à une race, d'une nationalité, d'une opinion politique. On sait, on le sent, que les 120 000 personnes qui ont été jetées sur les routes cette semaine, les habitants de l'Artsakh, on sait... Ils n'ont pas besoin de démontrer que ce sont des vrais réfugiés, ce sont des vrais demandeurs d'asile. Et pourtant, l'Europe n'en accueille pas beaucoup. Quasiment une poignée d'Arméniens contre 58 000 Turcs. Il est évident que cette demande d'asile, elle rejoint celle de leurs frères génocidés en 1915. Et je pense aux 80 000 Arméniens qui sont encore à Marseille. Merci. Que l'on n'a absolument pas cité lors du voyage papal de la semaine dernière. SOS Méditerranée, ce que Frontex appelle les taxis des passeurs, étaient non seulement reçus au premier rang, mais étaient aussi accueillis dans le palais épiscopal. Alors, quand je vous dis que le migrant, le demandeur d'asile, est accueilli en Europe, il suffit qu'il pose les pieds pour qu'en France, il ait un toit, on appelle ça les CADA, il ait une allocation pour la demande d'asile, l'ADA, il a le droit de travailler au bout de 6 mois. On parle beaucoup dans le projet du gouvernement de l'article 3 pour les personnes qui pourraient avoir un titre de travail pour les métiers en tension. Mais est-ce que vous savez que le même article 4 prévoit que les demandeurs d'asile n'auront plus besoin d'attendre 6 mois pour travailler, mais auront la possibilité, la permission de travailler dès leur entrée sur le territoire national? Tout est fait pour que le demandeur d'asile se sente chez lui en France et en Europe. La vraie difficulté, c'est que sur le million de demandeurs d'asile en Europe, il n'y en a que 55% qui vont être déboutés et 45% qui vont être accueillis au titre de l'asile. Alors comment on en arrive à ce chiffre? En France, le pays qui nous intéresse le plus dans l'Union européenne, vous avez en 2022 156 000 demandeurs d'asile. Et sur ces 156 000, pour l'instant on n'a pas encore les chiffres, puisque l'instruction ne se fait évidemment pas en un clin d'œil. Normalement c'est 15 jours pour l'instruction d'un dossier à l'OFPRA pour les pays d'origine sûre. En pratique, c'est 6 mois. On sera en 2023-2024, évidemment. Mais en moyenne, l'instruction qui dure 5 mois, les personnes qui demandent l'asile en France sont déboutées à plus de 60%. Comment obtient-il ce droit? Par la multiplication des normes juridiques. Je vous parlais de la demande d'asile. Maintenant, il y a la protection subsidiaire, c'est-à-dire que tout Syrien qui est confronté à la guerre dans son pays, obtiendra une protection internationale en France. Quand je vous parle de l'impuissance de l'État, ce n'est pas l'État en France qui dit « vous pouvez obtenir l'asile », c'est l'OFPRA. L'OFPRA, même si c'est un établissement public administratif, ce sont des officiers de protection qui vont déterminer si vous pouvez obtenir ou pas l'asile. Donc l'État n'a rien à dire, si ce n'est de subventionner pour un coût entre les CADA, l'aide pour les demandeurs d'asile et aussi l'assurance maladie, parce que ce n'est pas l'aide médicale d'État qui s'applique aux demandeurs d'asile, c'est l'assurance maladie, eh bien l'État va débourser entre 5 et 6 milliards d'euros. Les chiffres sont très compliqués à établir. Donc sur les 156 000 demandeurs d'asile, à peu près vont obtenir une protection internationale. Mais, comme je vous disais, ça échappe à l'État qui décide. Vous avez l'OFPRA, et ensuite vous avez la CNDA. Et la CNDA, il faut en parler avec beaucoup de précaution, car quand on rappelle que l'assassin de Samuel Paty, sa famille avait obtenu la protection, l'asile, grâce à la Cour nationale
de la CNDA, eh bien, sa présidente a déclenché des plaintes contre ceux qui le rappelaient. La CNDA va essayer de donner l'asile au plus de nombre possible. Je vais vous prendre plusieurs cas. Vous êtes victime d'un mariage forcé en Afrique, comme 30% des femmes africaines. C'est horrible, mais si vous demandez l'asile en France, que l'OFPRA vous la refuse, la CNDA va vous l'accorder sur ce seul fondement. Si, comme cette jeune Ghanéenne, vous êtes victime d'asservissement domestique, l'OFPRA va sans doute refuser la demande d'asile, mais la CNDA, avec sa jurisprudence extrêmement libérale, va vous l'accorder. Ce n'est pas seulement l'OFPRA, ce n'est pas seulement la CNDA qui concourt à l'augmentation de la demande d'asile. C'est aussi les ONG. Je vous ai parlé d'SOS Méditerranée qui va, en compagnie de dizaines d'ONG, qui va affréter des bateaux pour chercher les migrants au milieu de la Méditerranée, c'est-à-dire qu'elle va les inciter à réclamer l'asile, même si ces migrants peuvent chavirer, et ça contribue aux 27 000 morts en Méditerranée orientale. Mais ces associations, ce sont elles qui s'occupent de l'asile en France. Donc l'État se contente d'accueillir la demande d'asile dans les préfectures et ensuite il la délègue aux associations. C'est France Terre d'Asile qui va s'en occuper, association qui est connue pour son militantisme, pour qu'on accueille tout le monde dans notre pays. C'est un certain nombre d'associations qui font le plus de recours possible, qui vont être payées par l'État pour accueillir les migrants sur le territoire national. Quand je vous parle du militantisme de ces associations, pour éviter de ralentir le processus, on sait très bien qu'il y a un certain nombre de pays qui peuvent être considérés comme sûrs. La Géorgie, très curieusement l'Arménie pour l'OFPRA, l'Inde, la Serbie, le Monténégro, en tout ils étaient 18. Une liste qui avait été établie en 2015 et qui n'a jamais été rétablie depuis. Eh bien, cette liste, les associations l'ont attaqué et ont fait sortir le Sénégal, la Gambie et le Bénin, qui ne sont plus considérés comme des pays sûrs aujourd'hui. C'est-à-dire que vous pouvez aller tranquillement en vacances au Sénégal, eh bien l'OFPRA va considérer aujourd'hui qu'une personne qui vient du Sénégal ne doit pas être prioritaire dans l'examen de sa demande d'asile, considérant que son pays est sûr, mais va considérer que le Sénégal est un pays qui est aussi peu sûr que l'Afghanistan, la Syrie ou d'autres États où règne la guerre et où toute personne est soumise à des risques de torture, à la peine de mort ou autre. Donc ces associations sont très militantes. Elles reçoivent des subventions de l'État. Elles concourent à ce que les migrants demandeurs d'asile restent sur le territoire national. Alors que faire ? La difficulté du droit d'asile, c'est que c'est un droit qui repose autant sur des normes européennes, des directives, que sur des normes nationales. Alors, il y a eu un pacte européen sur la migration et l'asile qui a été lancé en 2015 sans succès. En 2015, il y avait eu 1,2 million de demandeurs d'asile en Europe. En 2013, 1,3. Ensuite, il y a eu une baisse. Je vous ai donné ce chiffre de 1 million en 2022. Quand on sait qu'il y a de plus en plus de passages en Méditerranée, je ne sais pas quel va être le nombre en 2023. Mais en tout cas, le pacte de la migration et de l'asile qui est promu par la Commission de l'Union européenne n'est toujours pas entré en vigueur. C'est-à-dire que l'asile en France est soumis à des normes qui ont beaucoup de mal à changer. Vous avez cette procédure du trilogue. La Commission propose, comme le Parlement, et ensuite c'est une discussion entre la Commission, les États et le Parlement. Or, comme vous avez une majorité de centre-gauche au Parlement européen actuellement, tout a été fait pour repousser les changements des règles. Il y a ce paquet qui va être, j'espère, être voté rapidement, qui va permettre le filtrage de la demande d'asile lors de l'arrivée en Europe. Il y a un certain nombre de normes qui vont être mises en œuvre pour prendre les empreintes, pour savoir si un demandeur d'asile va pouvoir présenter sa demande dans le pays d'accueil, le premier pays d'accueil, comme l'Italie ou la Grèce, ou s'il va courir le plus vite possible, demander le droit d'asile en Allemagne ou en France, où il y a plus de possibilités d'emploi. Parce qu'il faut bien se souvenir que l'asile, c'est avant tout une demande
pour obtenir un travail, pour obtenir de meilleures conditions dans notre pays. Alors vous allez, peut-être que l'Union européenne va voter le texte sur le filtrage, où les demandeurs d'asile vont pouvoir déposer leur dossier tout de suite en arrivant. Mais le mieux évidemment, c'est que le demandeur d'asile voit sa demande examinée dans le pays dont il va partir. Et là, on n'en est pas du tout arrivé à ce stade-là. Pourquoi ? Parce qu'il faut que je vous donne quelques chiffres. Je vous ai expliqué que 40% des demandeurs d'asile obtiennent cette protection en France. Mais que fait-on des 60%? Ben, les 60%, ils vont atterrir dans un hébergement d'urgence. On est passé de 100 000 hébergements d'urgence en 2-3 ans à 200 000 aujourd'hui, vu la pression migratoire. Tout ça pour éviter les campements dans les rues ou le squat délissé par les associations d'extrême gauche comme Utopia 56. Eh bien, ce migrant se débouté du droit d'asile, 60%, donc vous imaginez les chiffres, eh bien, ce migrant ne va jamais être conduit dans son pays d'origine ou dans le pays duquel il est parti. 5% seulement des déboutés de l'asile repartent dans leur pays d'origine. Donc vous imaginez, si vous avez plusieurs centaines de milliers de demandes d'asile chaque année, combien il va y avoir soit de demandeurs d'asile, soit de réfugiés en France, soit de déboutés. Je vais vous donner quelques chiffres pour terminer. En France, il y a 550 000 réfugiés, ceux qui ont obtenu cette demande d'asile, et il y a plusieurs centaines de milliers de déboutés. Comment faire changer les choses ? Par le droit, ça sera petit à petit. Il faut une nouvelle manière d'appréhender cette demande d'asile. Effectivement, elle est sacrée. Toutes les civilisations l'ont connue. L'Église l'a promue. La République l'a promue. C'est même dans la Constitution, toute personne qui combat et défend pour les libertés démocratiques à l'asile en France. Mais vous aurez bien compris que ça, il n'y en a qu'une poignée qui sont redevables de l'asile en France. Comment pourrait-on faire ? Changer les règles juridiques, ça pourrait même passer par un changement, une modification de la Constitution, pour que plus aucun demandeur d'asile ne voit sa demande examinée sur le sol de l'Union européenne. S'il y a un véritable fondement à cette demande d'asile, eh bien, évidemment, ils seront accueillis en Europe. Je vais vous donner un exemple. Il y a des centaines de milliers d'Afghans qui demandent l'asile en France. Eh bien, le gouvernement français a fait une très bonne chose il y a quelques semaines, certes aiguillé par les associations. Il a exfiltré 5 femmes afghanes du Pakistan et les a amenées en France. Une professeure d'université, une chercheuse, 3 autres femmes qui avaient fait des études et qui sont maintenant intégrées dans notre pays, sur le territoire national. C'est ça, le président de la République rappelait ce qu'avait dit Michel Rocard dans son temps, nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde. Il parlait, Michel Rocard, des faux demandeurs d'asile. Dernier chiffre, il y avait 1300 demandeurs d'asile en France en 1973, rien comparé aux centaines de milliers de demandeurs aujourd'hui. Voilà, c'était l'éclairage que je voulais vous donner avant les débats que vous allez entendre maintenant. Livre noir. Oui, ce sera Livre noir. Quel meilleur nom que celui-ci, si proche de ce qu'étaient nos ambitions, celle de contribuer à la vie politique et médiatique du pays, celle de traiter des sujets dont personne ne parle ou dont on ne parle qu'en écumant les mêmes mensonges au service des mêmes soumissions. Livre noir, c'était l'ambition de réaliser de longs entretiens, de faire parler ces personnalités politiques, ces journalistes, ces experts et autres artistes. D'où nous parlez-vous ? À qui parlez-vous ? Pourquoi leur parlez-vous ? Qu'avez-vous fait, vu, entendu ? Livre noir, c'était l'ambition de parcourir la France, de parcourir le continent, de se rapprocher toujours plus près des réalités qui nous touchent, qui nous bouleversent, qui nous révoltent. L'ambition de proposer quelque chose de nouveau, à l'heure où la défiance vis-à-vis des médias traditionnels grandissait. Et nous l'avons fait. Car Livre noir, c'est la volonté d'agir, concrètement, devenir acteur et non plus uniquement spectateur. Montrer ce qui ne sera pas montré, faire parler les pestiférés, les moins que rien, les oubliés. Avec Livre noir, nous continuerons à parcourir la France et le monde. Nous irons là où vous n'êtes jamais allés et où peu de gens vont. Nous vous embarquerons avec nous. Vous verrez nos images, nos éclairages, mais jamais aucun dictat, jamais aucune injonction à dire, à faire ou à penser. À Livre noir, ils parleront ou nous parlerons.
Mais nous serons là. Vous serez là. Quand ils nous attaqueront, nous répliquerons. Quand ils nous insulteront, nous vous regarderons. Car en vous regardant, on comprend. On comprend que la volonté qui nous meut n'est autre que celle de la vérité. Et nous continuerons à avancer. Car Livre Noir, désormais, c'est une équipe qui ne renoncera pas. Une équipe dévouée, qui fait face et qui refuse d'être malmenée. Et ainsi, aujourd'hui, Livre Noir est là. Nous occupons le terrain, les réseaux sociaux, les kiosques et les plateaux. Et demain, grâce à vous, nous demeurons. Pourquoi ? Car Charles Péguy disait « Il faut toujours dire ce que l'on voit, mais il faut surtout, ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit. » Sur Livre Noir, nous vous dirons toujours ce que nous avons vu. À vous de voir ce que vous voyez.